Bonjour, bah, vous savez, j'étais pas mal préoccupé ces derniers temps. Je vous fais ce message pour vous dire que ça va un peu mieux du côté de mon père. J'espère que ça va aller en s'améliorant. Pendant un moment donné, on a cru que le pronostic vital était engagé, mais finalement, il semble qu'il se remette, mais rien n'est gagné. On attend de voir comment va se passer sa convalescence, je dirais. Alors, évidemment, les cérémonies, je m'en tape. La seule chose qui m'ennuie, c'est qu'on ne peut pas circuler autour de Paris, que l'empereur étant venu sur nos terres, eh bien, d'une manière arbitraire, on bloque le périph', on bloque peut-être la 86, les grands axes, tout le monde est bloqué, enfin les gens qui bossent sont bloqués, que les gens comme moi, ben, on peut plus bouger, c'est ce qu'ils veulent peut-être. Hein. Et puis vous avez... Voilà, l'empereur qu'elle a. L'empereur, c'est Biden, vous voyez un peu l'état de l'empereur. Enfin, vraiment, c'est un grand cirque, cette histoire. Moi, ça m'intéresse plus. Pour moi, c'est loin. Je regarde ça de très, très loin. Ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus du tout. Et puis, j'ai tellement d'autres préoccupations que, franchement, tout ce théâtre me passe par-dessus la tête. Et finalement, bon, il y a les élections, certes. Alors, les élections. Bon ben la seule chose qu'on va regarder, si c'est Bardella qui va. Le score de Bardella, quoi. C'est la claque de Macron. Le score de Bardella, c'est la claque de Macron. En tous les cas, c'est comme ça que nous sont plus ou moins présentées les choses. Mais là aussi, on est certainement manipulés, comme toujours. Vous savez, il y a un moment donné où on espère que tout cela. On espère que cette pièce de théâtre qu'on nous joue depuis quand même un certain nombre d'années va bientôt se terminer. Hein. On assiste à un spectacle qui est de plus en plus piteux voilà, quoi, on a envie que le rideau se ferme et qu'en réalité on passe à autre chose. Mais cette autre chose, il a beaucoup de mal à venir, ça j'en conviens, beaucoup de mal à venir. Mais on n'a pas aujourd'hui les personnages, les hommes. Et qui ont une grandeur d'âme pour prendre la relève. On n'a pas ça. Je dirais qu'à la rigueur, on aurait peut-être De Villiers, et encore, vous voyez, peut-être que là encore, je me fais des idées. Vous savez, je ne suis pas sûr de ce que je dis hein, concernant les De Villiers. J'espère qu'il est bien, j'espère qu'il a cette grandeur d'âme, un des derniers peut-être. Et encore, peut-être que je me trompe, vous savez, là-dessus, je suis loin d'être confiant et d'être sûr de mes opinions. Je doute énormément, je ne suis que dans le doute. Et vous savez, moi j'aspire à quelque chose d'autre, comme vous aussi, on aspire à une autre société, on aspire à un autre mode de vie. Mais ce monde-là, tel qu'il nous est présenté et tel qu'on le voit, est un mauvais spectacle et on en a marre quoi, on en a vraiment marre et on espère qu'un jour tout cela va finir par exploser et laisser la place à autre chose. C'est ce qu'on espère, à un autre type d'homme, un autre type d'humain, si on peut dire. Pour l'instant, bah, écoutez, on a qu'à attendre et à gérer nos problèmes et nos soucis personnels. Et puis on se donne rendez-vous peut-être dimanche soir pour voir le score, pour voir si quelque chose a bougé ou pas dans l'opinion publique. On verra. En tous les cas, c'est pas très important ces élections. C'est pas ça qui va bouleverser quoi que ce soit. Il faut vraiment autre chose pour que les choses bougent en France. Mais on n'en est pas encore là. On a besoin d'un élément qui nous sidère, qui nous transforme, et pour l'instant, il n'est pas encore là, cet événement. Je ne sais pas quelle sera la nature de cet événement, mais en tous les cas, il n'est pas encore là, et il faut l'attendre pour que se débloque quelque chose d'autre, et qu'on puisse justement aboutir à une autre forme de société, en tous les cas, une autre forme de civilisation, parce que là, je crois que tout est rincé. Tout est épuisé, mais ça peut durer encore. Vous savez, l'agonie de ce système peut prendre encore quelques années. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Et peut-être que de notre vivant, bah, nous ne verrons rien
d'autre que ce spectacle affligeant d'une société qui agonise de plus en plus et qui finit dans une forme de chaos global. Voilà. Peut-être que c'est ce qui nous attend de notre vivant, en tous les cas. J'espère pas, mais peut-être. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.